Pensaba di iniziare con una storia che non è una microstoria. In la Bibbia hai la storia di Gedeon che debba elegire entre quanti soldati traer per matar los filisteos. E è la cosa che occurrió qui. Era necessario elegir 20 sobre 98. Dios sugirió a Gedeón este sistema que le propongo como útil. Tú traes tus 10.000 soldados al río Jordano, y tú dices, debéis beber. Tú verás que solo 300 beberán así, los otros todos en tierra, etc. Y así Gedeón eligió sus 300 soldados que mataron 10 millones de filisteos. Puede ser una buena sugerencia por la elección de los candidatos a estas actividades. Debo decir una cosa, que en nuestra presentación, que ha dicho casi todo lo que era necesario decir, hay pero algunas cosas que me parecen un poco peligrosas. Non, à présent, je parle français, puisque c'est plus simple. Mais je peux changer les deux choses, puisque ni mon père ni ma mère parlaient ni français ni espagnol, et ainsi ne sont pas ma langue, mais mes langues. Mais je fais mélange d'espagnol et français, quelquefois d'italien, et peut-être des autres langues nécessaires. Ce que je considère un peu pelliculeux, c'est de dire la microhistoria utilise autres, est connectée avec des autres sciences humaines. Par exemple, la sociologie. Alors, je me rappelle qu'une fois, j'ai discuté avec John Moore à propos de ça. Il expliquait la relation entre histoire, ethnohistoire et les autres sciences humaines. Et à la fin, il n'avait pas nommé la sociologie. Alors je lui demandais, mais John, et la sociologie? Et il a dit, con los sociólogos no somos ni amigos ni colegas. Esto yo creo que sea muy importante de recordar. En general, la relación que tiene la microhistoria, ma la historia en general, con las otras ciencias sociales, es, je parle espagnol en ce moment, c'est de, pas d'appliquer les autres sciences sociales, c'est de voir ce que les autres sciences se proposent, ce qu'elles cherchent, ce qu'elles propose aussi à l'histoire, mais pas de les appliquer. Je donne un exemple. La psychanalyse, par exemple. On ne doit pas imaginer que l'histoire puisse faire de la psychanalyse, mais l'histoire peut s'interroger sur ce que la psychanalyse peut suggérer aux historiens qui n'ont pas pensé à ces problèmes, à les problèmes de la psychanalyse. Pas une application, mais savoir sortir de l'isolement et chercher de voir les problèmes que nous posons. Un autre exemple, dernier, et après je viens à la partie plus sérieuse de mon travail. La mathématique. Quand, dans l'histoire, apparaît le quantitatif. En même temps, les mathématiciens disaient la mathématique du XXe siècle, c'est une qualité, c'est une mathématique qualitative, c'est étudier les relations, pas des quantités, des qualités, pas des quantités. Ça, c'est intéressant, puisque suggère qu'en général, c'est mieux que les historiens cherchent de voir les autres comment travaillent. Sinon,
l'histoire souvent est un retraso, retardée par rapport aux autres activités scientifiques. Et ma suggestion en général, c'est que les historiens doivent lire pas trop de livres d'histoire, mais beaucoup livres d'autres sciences humaines. Pas pour faire des applications, mais pour voir ce que les autres se demandent. Alors, je commence en disant ça, que si je dois donner aujourd'hui une définition de la microhistoire et de l'histoire en général, c'est que l'histoire doit être la science de la des questions générales, mais pas de réponses générales. Dans une interview donnée par Simona Cerutti l'année passée, quand tu as eu le prix Goudi, tu as donné une interview, tu as dit une chose absolument vraie, c'est-à-dire que le problème des historiens, c'est de préserver le particulier, mais s'occuper aussi du général. Mais quel est le général pour les historiens? C'est las preguntas, les questions. Mais il faut des questions, avec les questions, identifier des généralités qui doivent permettre la préservation du particulier. Peut-être que j'ai mal interprété, mais tu es d'accord. Alors, je pense que le problème de la généralité, c'est un des problèmes centraux de la microhistoire, c'est-à-dire, et de l'histoire en général. Il ne faut pas généraliser des conclusions. Le ravage qui a produit, par exemple, la global history, c'est d'avoir une terrible facilité à généraliser des conclusions, à dire si il y a ces situations, on peut généraliser. La famille nucléaire produit développement économique. C'est une bêtise totale qui soutenait Laszlo et soutient Jan de Vries aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai. C'est une chose paradoxale. On sait qui est l'assassin et on imagine que la causalité soit automatique, sans s'interroger sur la quantité possible des différences. Alors, le problème que je pense important, la définition que je pense utile, c'est où arrêter la généralisation, où mettre la généralisation et où arrêter la généralisation. La généralisation doit s'arrêter aux questions, à l'identification de relevance. Je donne un exemple que toujours irrite ma copine qui est psychanalyste. Le complexe d'Édipe. Le complexe d'Édipe, c'est une belle question. On peut généraliser cette question. Tout le monde a le complexe d'Édipe. Mais mon complexe d'Édipe, c'est très différent du tien, de ceux de Simona, de ceux de etc., etc. Il y a un éventail de possibilités énorme posée par une question qu'on peut généraliser, une question, une demande. On s'interroge sur cette relevance pour permettre la préservation des singularités. En ce sens, je crois que l'opposition macro-micro, c'est d'une stupidité totale. C'est inutile, puisque les historiens doivent faire ça. Ils ne peuvent pas éviter de faire ça. S'ils généralisent, ils font une opération illégitime. Il n'y a aucune chose historique qui peut être sérieusement généralisée, sauf des questions. Et le beau de l'histoire, c'est exactement ça. Et le risque de la sociologie, c'est avoir une passion effrénée pour la généralisation des conclusions. Ça, c'est le premier proverbe que je vous prie d'apprendre comme un proverbe. Le problème du général implique quoi? Que
il faut éviter de penser que le micro soit l'objet étudié. Je cherchais dans le livre qui généreusement a été cité avant, chercher un cas absolument non intéressant. Un prêtre idiot, un village pratiquement inexistant, mais combien de choses importantes, combien de questions importantes arrivent quand pratiquement n'arrive rien. Ce n'est pas l'importance du lieu, du cas. C'est ce que le cas suggère, pas pour le généraliser, mais pour dire une bonne question qu'on peut poser en Chine comme en Alaska. C'est le même schéma pour avoir des conclusions différentes. Hier, tu citais Gérard Delisle. Gérard m'a dit un jour, non, en Apulie, le marché de la terre fonctionne d'une façon complètement différente du Piémont. Et je dis bien, je suis très heureux. Ce n'est pas ça, c'est s'interroger sur comment fonctionne le marché de la terre, mais pas pour avoir une solution, mais pour dire c'est une question importante. Et quelqu'un de Louis disait, je travaille sur la Séville et son urbanisme, et là aussi, on avait le même problème. L'urbanisme a un déroulement qui a des lois de marché qu'il faut étudier. Ce n'est pas automatique. Ils sont différents selon les quartiers, selon les relations humaines, etc., etc., qui produisent une situation de prix différente. Ça, c'est le premier point. Alors, micro. Qu'est-ce que c'est le micro que nous intéresse? Le micro, c'est le regard. Le regard microscopique. On regarde des choses qu'on ne voit pas immédiatement, des choses qui ne sont pas immédiatement évidentes, et avec le microscope, nous découvrons ce qui est caché sous la superficie. Je cite encore une fois Simona, mais c'est la dernière fois, je le jure, dans son travail sur comparativisme et documents. Non, puisque j'ai eu une discussion avec Isabelle Grangot sur le fait que je dis les documents sont dangereux. Ils sont dangereux dans un sens, que les documents sont toujours incomplets. Et alors, le rôle des historiens, c'est de compléter les documents, c'est-à-dire de imaginer comment on peut chercher de faire, comme dit Romain Bertrand, une histoire à part égale. C'est-à-dire qu'on cherche de faire parler ceux qui ne laissent pas de documents avec ceux qui laissent des documents. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut savoir que les documents sont toujours partiels. C'est pour ça, par exemple, que les préhistorologues sont plus intelligents que les contemporanéistes, puisqu'ils ont peu de documents. Ils savent que les documents qu'ils ont sont très peu et qu'il faut utiliser beaucoup de cerveau. Des têtes. Au contraire, les contemporanéistes en général ont trop de documents et ça produit l'illusion de que les documents sont complets, disent tout, sont suffisants. En réalité, non. Et le problème, c'est d'égaliser des choses qui ne sont pas égales du point de vue de la production documentaire. Et ça, c'est un problème très important puisque c'est exactement ce qui a produit beaucoup de distorsions dans la historiographie. Par exemple, l'Italie est un pays un peu trop catholique et les féministes italiennes ont produit une quantité d'aventures féminines ont laissé des documents. Mais qui a laissé des documents? Ce sont les abbadesses, ceux qui ont écrit des autobiographies, etc., etc. Mais il manque de s'interroger sur ceux qui n'ont laissé rien, mais qui sont à équilibrer avec l'autre chose. Et effectivement, je vois avec douleur et horreur l'histoire des femmes italiennes comme une histoire rigoureusement catholique. C'est seulement ceux qui pratiquent la religion qui laissent des traces importantes. C'est vrai, laissent des traces, mais
les traces doivent être considérées comme partielles, incomplètes. Alors, ça c'est le deuxième problème. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes importants. Et alors je recommence pour dire pourquoi est née la microhistoire, une histoire sociale, et pourquoi est née la global history. Quelqu'un de vous a dit, Morales, me semble, a dit la microhistoire est née dans les années 70-80. Et c'est vrai. C'était dans le moment où nous pensions que la lecture historique que les historiens, mais aussi les partis politiques de gauche, la lecture que donnait de la réalité italienne. Il parlait de classe ouvrière, il pensait par exemple que la classe ouvrière est de gauche. Désormais c'est ridicule de penser ça, mais tragiquement c'est ridicule. Mais aux années 70, tout le monde pensait ça, pensait que c'était automatique. Il y avait une solidarité automatique dans la classe ouvrière pour Thompson nous avait montré une chose qui s'est un peu incunaboule de la micro-histoire, qu'il faut regarder dedans la classe ouvrière. On ne peut pas imaginer une homogénéité, une solidarité totale, etc., etc. Il faut lire avec le microscope la classe ouvrière, mais aussi les mots. Par exemple, qu'est-ce que c'est une classe ? Ou qu'est-ce que c'est la démocratie ? Ce sont des mots qui peuvent être, avoir du sens seulement si on les regarde avec le microscope dans la pluralité possible et infinie de contextes dans lesquels on... Par exemple, quand on dit Israël, c'est l'unique démocratie du Moyen-Orient. C'est ridicule, en réalité. Je pense que ça, c'est vraiment un bon exemple d'une utilisation arbitraire du mot. Il faut lire dedans, voir vraiment ce que ça signifie. La démocratie représentative, c'est la meilleure situation contre le populisme. On discutait avec Jacques Revel hier. C'est vrai, le populisme, ce n'est pas positif. Mais qu'est-ce que c'est la désormais la démocratie représentative en beaucoup de pays d'Europe ? Le fait qu'on vote, mais il n'y a rien d'autre qui soit vraiment démocratique. Il faut lire dedans, c'est une bonne question. Alors, le micro n'est pas l'objet petit, comme on dit, mais la manière, la méthode avec laquelle on étudie. C'est très triste que peu à peu, c'est généraliser une passion, la passion de s'occuper des cas, sans principe. Les cas ne sont pas intéressants en général, peut-être qu'ils sont intéressants, mais c'est casuel. Le problème, c'est que chaque cas doit produire des questions générales. Je pense par exemple à Pueblo en Ville de González et González, que Ruggero Romano considérait la matrice de la microhistoire. Non, c'est de l'histoire locale. Il n'y a rien de général, il n'y a rien d'utilisable. C'était seulement la lecture d'un village. Mais un village n'est pas micro-intéressant, c'est micro-histoire, c'est un village, c'est une histoire locale. Et d'autre part, dans la publication des premiers livres sur la microhistoire, on a travaillé sur Galileo Galilei. C'est pas de la redonde, il y a écrit un livre très beau, microhistorique sur Galileo Galilei. C'est pas la petitesse de Galileo Galilei qui est intéressante, mais c'est combien de choses un document a suggéré comme question générale à Pietro Redondi. Ou bien Ginsburg s'est occupé le fromage et le verre qui ont eu un grand succès, c'est pas un bon exemple de micro-histoire. Selon Ginsburg même, il fait une autocritique. Il a introduit dans l'introduction, je n'ai pas lu les dernières éditions, mais qui généralise une chose. Il dit, c'est un exemple où la culture populaire peut arriver. Ginsburg considère ça une erreur, justement.
Ce n'est pas ça qu'on devait généraliser. On devait généraliser des choses qui sont dans le livre, comment on lit, par exemple, etc. etc. Mais Ginsburg a fait un livre de Nick Rustard sur Piero della Francesca. En la lecture d'un tableau a produit des questions générales très importantes et ont ouvert à Ginsburg la possibilité de voir comment la flagellation de Christ coïncide avec la faillite de la réunification de l'Église orientale avec l'Église occidentale. Cette faillite, c'est la flagellation de Christ. Ça, c'est exactement de la micro-histoire. Mais ce n'est pas l'objet qui est micro. C'est difficile d'imaginer ça. Et aussi mon exemple, je me suis occupé d'un village presque inexistant, d'un idiot, un prêtre, des paysans. Mais le problème, c'était combien de questions ça pose. En soi, en réalité, je exaspérais l'inutilité de trouver un cas merveilleux. Et un cas que nous suggère des questions merveilleuses, mais pas en soi. Alors, je veux continuer plus rapidement en disant en quoi c'est spécifique, qu'est-ce que la micro-histoire a produit comme question historique importante. À discuter de temps, d'espace, d'une quantité de choses, d'historicisme en général, de causalité, de l'explication causale de l'histoire, en cherchant de montrer exactement ça, qu'une idée d'espace implique une pluralité d'espace, une idée de temps implique une quantité de temps, et la causalité, c'est produit une quantité de résultats différents. C'est pas automatique. En réalité, l'histoire a une maladie d'enfant, infantile. C'est l'idée que, puisque nous savons comment, quel est le résultat, on peut appliquer une cause quelconque. L'unique contrôle que vraiment nous avons dans notre forme de causalité, c'est de ne dire des choses trop stupides. Piove governo ladro, il pleut, le gouvernement c'est des voleurs, c'est un exemple typique de causalité absurde. Il y a un contrôle de sens commun. Mais en général, puisque nous savons toujours le résultat en tant qu'historien, nous expliquons ça d'une façon souvent simpliste, automatique. Et en réalité, les causes sont particulièrement compliquées, particulièrement dangereuses dans leur simpliste. On peut dire, mais l'histoire c'est toujours conjectural. On peut toujours changer. Popper disait ça, l'histoire c'est une science pratiquement inexistante, mais de toute façon conjecturale. On peut changer toujours ce qu'on a affirmé. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, ça. C'est que l'histoire doit, comme le disait plutôt Krakauer, préserver individuel et général. Je m'arrête un moment sur Krakauer, puisqu'il n'est pas suffisamment lu. Krakauer a travaillé beaucoup sur le temps et la pluralité des temps. Par exemple, il dit, quand on parle de baroque, on parle de quelque chose qui uniformise une quantité de choses différentes, d'arts différents, de politiques différentes, de religions différentes, qui ont marché avec vitesse différente. Et pour parler de baroque, il faut voir effectivement ces lignes qui ont des spécificités et des vitesses différentes. On ne peut pas parler de quelque chose sous un nom qui doit être lu du point de vue microscopique, qui doit être lu avec le microscope pour comprendre bien ça. Et je pense que
Krakauer exagère à la fin. Il dit, entre l'histoire individuelle et l'histoire collective, une histoire générale, il ne peut pas exister une vraie collaboration. Il marche, il s'occupe de deux choses différentes. Alors, ça c'est, je pense, utile à discuter, puisque les cas individuels vus par la micro-histoire suggèrent quoi ? Suggèrent questions générales et réponses différentes. Ça c'est ce que Frédéric Barthes, l'anthropologue, appelle modèle génératif. C'est-à-dire, il y a une question générale qui doit produire un abanico, un éventail des réponses différentes, qui peut produire un éventail de réponses différentes. Cette générativité des modèles que nous utilisons, c'est exactement très utile, qui implique la préservation du particulier, mais aussi la utilisation d'une généralisation. Mais à la fin, pourquoi il y a cette séparation entre cas individuel et généralisation? Je pense pour une maladie historiciste. Si nous utilisons un modèle difficile comme Walter Benjamin, Walter Benjamin disait un bon historien révolutionnaire doit étudier en même temps tous ceux qui ont vaincu et tous ceux qui ont perdu. Puisque ceux qui ont perdu, à la fin, à part qu'ils ont déjà produit beaucoup d'histoires, ils peuvent revenir comme importants en certains moments, dans un moment messianique. Ça, c'est une bonne question, certainement. C'est l'idée que si, dans une lecture historiciste de l'histoire, on regarde seulement l'histoire des vainqueurs, à la fin, on oublie que les hommes ont tenté beaucoup de choses importantes qui doivent être récupérées. Alors, je pense que je peux presque terminer en disant ça. La globalisation n'est pas seulement structuraliste, je ne sais pas ce que les insultes qu'on a dit à la globalisation. En réalité, c'est exactement historiciste. Pensons au fait qu'elle s'est appelée globalisme. Pourquoi nous vivons dans un phénomène de globalisation? Ma globalisation de quoi? Aucune des livres qui s'occupent, qui écrivent sur la globalisation, sur la globalisation, pense de dire l'aspect non global de la globalisation. Ils disent qu'il y a des résistances, etc. Mais le global marche en avant. Si nous regardons ce qui arrive dans ce monde globalisé aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des choses globalisées et des choses qui ne sont pas globalisées. Il y a eu une grande discussion, par exemple, entre les historiens du groupe de Sabbatical Studies et les historiens américains sur le problème de ça, sur le problème de la impossibilité de définir capitaliste l'Inde. Ça, c'est la position de Chattereille et también de Chakravarti. L'Inde a du capitalisme, mais on ne peut pas définir l'Inde comme quelque chose qui soit un pays capitaliste. Comme on peut dire l'Inde de la Chine. La Chine est un pays. Souvent, les hommes ont dit, mais la Chine est un pays capitaliste, autoritaire, mais capitaliste. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y a résistance, modification, etc. Au contraire, le livre de Global Historien Général pense que dans le passé, les phénomènes globaux ont
une prévalence, une victoire presque totale sur les choses. Un exemple. Un livre, et je donne un exemple de deux livres très beaux, en réalité très intéressants, mais qui ne sont pas, qui ont des défauts politiques dedans. Le livre de Pomerantz dit, il faut dire que les Chinois au XVIIe siècle étaient beaucoup plus avancés que l'Europe. Mais pour des raisons casuelles, pour des raisons peut-être coupables, les Anglais avaient du charbon et des canons. Et ces deux choses ont permis la grande victoire de la révolution industrielle anglaise et le retard de la Chine. Ça est très intéressant de la globalité. C'est l'idée que on suggère, ce qu'on peut dire, que dans les derniers 300 ans, 200-300 ans, l'Europe, l'Occident, a été plus avancé, plus intelligent. Et ça, c'est une chose que, malgré la déclaration, on ne veut pas faire de l'ethnocentrisme, de l'eurocentrisme. En fait, on fait, on dit, nous sommes, pour miracle, pour casualité, nous avons vaincu sur les autres traditions de déroulement économique, culturel, etc. etc. Ça, je pense que ce soit vraiment dangereux. Vraiment dangereux, puisque de ces, le deuxième livre, c'est le livre de Becker, intitulé Le coton, l'histoire de la globalisation. Certainement, le coton c'est global, aussi le café, etc. Mais c'est la mode de ça, puisque quand Mintz a écrit son livre sur le sucre, il ne pensait pas qu'il a appelé une histoire globale. C'est une histoire de quelque chose qui s'est diffusé dans le monde, mais ce n'est pas une histoire globale. Mais aujourd'hui, on appelle global ce qui s'est diffusé. Mais le vrai problème, c'est le contraste entre ces choses qui sont apparemment qui sont globales, qui couvrent tout le monde. Tout le monde a des chemises de coton, mais qui n'ont rien à voir avec une réelle globalisation, l'utilisation de couleurs, de significations, etc., etc. Alors, je pense que tout ça est le produit d'une révolution fondamentale. Quand ma jeunesse, j'ai passé ma jeunesse dans un monde global, un monde bipolaire mais global. L'Union soviétique, États-Unis. Ça, c'était une sorte d'homogénéisation du monde avec des idées différentes, des positions différentes. Quand est tombé, c'est fini, le mur de Berlin est terminé, pour un certain moment, on a pensé, dans la totale confusion, on a pensé que l'histoire était finie, etc. Et on a imaginé que tout triomphait un seul impérialisme, l'impérialisme des États-Unis. Certainement seulement un système, le système capitaliste. Et au contraire, on a vu une pluralité de sous-impérialisme. Il y a une quantité de centres impériaux dans le monde. La Russie, les États-Unis, je ne sais pas si le Brésil, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Chacun, la Chine, l'Inde, etc. Chacun a produit des nouvelles centralités. Des nouvelles idées expansives du point de vue impérial. Tout ça a produit une grande confusion aussi dans l'historiographie. La globaliste est née particulièrement dans les années 90, après la chute du mur. Et nous,
nous sommes passés du monde qui est terrible, des fois terrible, mais qui semblait un peu prévisible, le monde du colère, dans un monde dans lequel tous les jours naissent des guerres, des questions, des choses qui sont imprévisibles. Nous sommes dans la plus totale incertitude de ce monde. Ça a produit la globalisation. L'idée que l'important, c'est tout ce qui s'est globalisé. Le capitalisme, l'information, le système financier, ça, c'est inévitable, peut-être dangereux, mais ça produit un monde global. En même temps, on a vu se multiplier la centralité prétendue de beaucoup d'États. On a vu la renaissance de l'État-nation, que c'était le grand ennemi de la globalisation. Il faut abandonner l'idée d'État-nation. Et pourquoi? Puisqu'il y a une quantité monstrueuse. Bien, là, Angelo Torre, un très bon historien italien, tu vois que je ne parle pas de toi, m'a critiqué beaucoup puisque je fais une exaltation un peu ironique d'un livre de Passeron. Passeron dit, je fais l'histoire globale de la France, l'histoire générale de la France. Ça, c'est une bonne critique de l'histoire globale, puisque la France existe, l'État existe. Je pense que une phrase de Brodel que je cherche de citer à moi, tout le développement moderne doit être lu avec la participation fondamentale des États. Et aujourd'hui, también, l'histoire est une histoire d'État. On ne peut pas nier que l'État existe. Il existe des connexions qui ne sont pas entre États. Mais l'État reste, peut-être tristement, tragiquement, mais reste un protagoniste fondamental de la politique. Au contraire, la globalisation a cherché à considérer plus important la quantité d'assiettes chinoises qui arrivaient en Angleterre que la Brexit. C'est un peu paradoxal, puisque le vrai problème, c'est que on imagine une globalisation aujourd'hui qui arrive à l'histoire. Pas la même chose, globalisation et globalisme, mais on a imaginé une histoire qui redonne un nouveau ordre au monde qui est à travers une globalisation de tous les secteurs. Jusqu'ici, seulement quelques secteurs, mais peu à peu, on sera tout capitaliste, tout internetiste, etc., etc. Tout ça, c'est dangereux pour toi. Puisque je suggère une chose fondamentale, que ce qu'il faut globaliser, c'est le néolibéralisme, c'est-à-dire une société dans laquelle l'État est disparu. L'État n'a plus d'importance. Peut-être juste, mais c'est faux, mais pas vrai. La globalisation a produit une renaissance des nationalismes, des fragmentations, et America First, je ne sais pas, Malte, Chine First, etc., etc. C'est ça que est préoccupant. C'est, et que c'est intéressant. Qu'il faut lire dans le contexte que a produit cette forme d'historiographie. Je voulais terminer en vous disant des phrases stupides de Jan de Vries et Franck-Claude. Mais vous pouvez les imaginer. Ils s'occupent des choses nostalgiques, des choses petites, documentaires, etc., etc. Et cet article de Jean de Vries va apparaître sur un des prochains numéros de l'Instant Present avec Marc. Et je pense que ce sera amusant de voir la réaction de Jean de Vries. Bien, je termine là. Je...